Bonsoir à tous et bienvenue dans cette troisième édition de l'après-match des Diables Rouges de Briançon et justement les Diables Rouges qui s'imposent ce soir lors de la troisième journée de Coupe de la Ligue face aux Brûleurs de Loups de Grenoble. Je vous propose tout de suite d'écouter les propos du coach Edo Terglave accompagné de l'attaquant Damien Roux. Edo, est-ce que la confiance elle est revenue dans le vestiaire ce soir? C'est sûr, une victoire comme ça, ça fait du bien. Je pense qu'on a parlé beaucoup de tous les matchs qu'on a perdus, les quatre, Amiens, Gap et Lyon, les trois. Puis même Angers, dans chaque match, on était là. Il y a eu un moment pendant les matchs qu'on n'a pas eu la chance, la Palais n'a pas rebondi pour nous. Puis même aujourd'hui, on a vu, première période, ils ont première occasion, on a lancé à la cage, le gardien ne voit pas le Palais, but. Mais on n'a jamais, on s'est dit, regarde, on ne garde pas le résultat, on fait ce que nous on a à faire, continue d'aller en avant. Puis les gars, on a gardé plus simple, on a mis Palais beaucoup à la cage. On dit, regarde, ça va venir. Puis je pense que le travail a payé à la fin. On a senti une équipe briançonnaise un peu plus fraîche en fin de match. Les cinq dernières minutes ont été dures, mais dans l'ensemble, c'était un peu plus frais. Est-ce qu'il y a eu un changement dans la rotation aussi, un petit peu des lignes? On a changé un peu les lignes. On a mis Ian McDonald à droite. On a changé Bernier, on a mis à gauche. C'est son position favorable. Il a joué avant qu'il venait à Briançon. On a fait les lignes que vous voulez voir au début de l'année. Puis c'est ça, je pense que les gars, des fois, quand tu me changes un peu les lignes, ça fait du bien. Puis c'est ça, hein, ça a pas fait beaucoup. Nos power play a fonctionné. On a marqué deux buts, c'est important. Puis c'est ça, on a même après deux, après deuxième période, quand c'était 2-2, on était souvent à égalité cette année. Puis troisième, c'était pas notre meilleure période. Puis aujourd'hui, oui, on a marqué les buts qu'il fallait. Notre gardien Antoine était super. Pour lui, c'était excellent parce que c'est son ancienne équipe. Puis c'est ça, on a fait les petites choses bien. Les gardiens ont fait les arrêts quand il fallait. Puis c'est ça, enfin, écoute, en général, en match au total, on a mérité, puis on a gagné. Damien, on a beaucoup parlé de manque de confiance depuis le début de la saison. Et ce soir, on a vu notamment toi, Marc-André Bernier, les cadres prendre leurs responsabilités. C'était impératif pour vous? Oui, je pense que manque de confiance, on était surtout frustrés parce que les matchs qu'on a perdus, comme disait Edo, je pense pas qu'on soit fait dominer. C'est juste que ça rentrait pas. Et donc, c'est vrai que dans notre tête, c'était un peu difficile, mais voilà, ce soir on a réussi à avoir un peu plus de réussite. Et cette fois on a tenu le score, et donc là, ouais, je pense que ça va faire du bien au moral pour tout le monde. Comment ils étaient les coéquipiers là en rentrant? Le sourire était sur les lèvres? Ouais, tout le monde était là, enfin on a gagné, donc ouais, tout le monde était vraiment content. Je pense que j'espère en tout cas que ça va nous lancer dans la suite de la saison. Et physiquement, comment vous vous sentez? Parce que vous avez enchaîné les matchs quand même depuis le mois d'août. Pour l'instant ça va, après c'est vrai que quand on perd c'est un peu plus difficile, mais là avec la victoire ce soir ça va, et maintenant on est parti pour un long voyage pour Brest, donc il va falloir digérer ça. Après on a la Suède, donc c'est vrai qu'on a deux semaines chargées, mais bon, c'est le hockey, on aime ça, donc il n'y a pas de raison que ça aille pas. Edo, une petite question sur le match de Brest, parce que je crois que vous partez directement demain en bus. L'objectif, bien sûr, c'est la victoire. Comment vous allez l'approcher, ce match? Il n'y a pas beaucoup de temps de glace entre les deux, du coup. Non, mais demain, on va faire le petit entraînement à court, juste bouger les jambes un petit peu. Puis après l'entraînement, on embarque tout de suite dans le bus, on fait voyage à Brest. C'est bien, la victoire aussi, ça fait du bien pour ce voyage-là, parce que ça va être long. Puis je veux que les gars, tu vois, demain, qui ont souri sur le bus, qu'on est ensemble, qu'on trouve encore un peu l'équipe. Puis après le match, mais à Brest, faut tourner vite la page, puis se concentrer sur ce match-là. C'est une équipe qui va travailler fort, ils jouent chez eux, puis c'est toujours dur, puis faut être prêt à tout de suite samedi. Merci à vous deux. Félicitations. Et le sourire, il l'a aussi, Sébastien Sode, le co-président des Diables Rouges. Écoutez-le, il nous a rejoint en conférence de presse un tout petit peu après le coach. Oui, bien sûr, j'ai toujours été confiant. Alors attention, c'est une victoire. Maintenant, il faut enchaîner les victoires. C'est pas simple. Hein. Il y a un long déplacement, c'est Brest. Voilà, donc bon, c'est bien. On n'est pas encore arrivé au maximum de ce qu'on est capable de faire, mais on va vraiment dans le bon sens. On sentait qu'il y avait beaucoup de soulagement du côté d'Edo, du côté des joueurs, c'est compréhensible. Oui, moi je suis vraiment content pour Edo ce soir parce qu'il mérite vraiment cette victoire. C'est du travail depuis début août. Ça ne voulait pas payer et ce soir, voilà, ça a été dans le bon sens et je suis vraiment content pour Edo. Et la Coupe de la Ligue est relancée. Et voilà, on revient dans la compétition. On nous avait déjà un peu enterrés, mais non, on est toujours là. Et on va se battre jusqu'au bout. Merci Sébastien Sode.
Du côté des brûleurs de loups, en revanche, c'était un petit peu plus la grimace ce soir. Richard Martel, le nouveau coach de l'équipe, est venu nous rejoindre et il a expliqué un petit peu la défaite de ce soir. Écoutez-le. La première période, Briançon bien joué. Et les deuxièmes et troisièmes périodes, nous avons eu des chances de mettre la rondelle dans le filet. Puis, leur gardien bien fait. Hein? Cette équipe grenobloise, vous la coachez depuis quelques semaines depuis maintenant. Depuis le mois d'août. Oui. Comment est-ce que vous en voyez le potentiel de cette équipe? On n'a pas de mauvaise équipe. Là. On a une équipe pour rivaliser. Je pense que, tu sais, Rouen, Angers, puis Briançon, Gap, ça va être très dur. Les équipes ont eu de très bons recrutements. Alors, ça va donner beaucoup d'équilibre, ça va donner beaucoup de parité cette année. Je crois que c'est ce que j'entends dire d'après les joueurs. Le niveau de jeu s'est élevé cette année. Vous avez des gros noms à l'attaque. C'est vrai qu'on a des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment par exemple Eric Chouinard. Est-ce que sur une saison entière, c'est un gros atout pour une équipe comme la vôtre? Pour le moment et ce soir, ils n'ont pas marqué énormément, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut se déclencher? C'est certain. C'est un joueur important. Je pense que présentement, dans la Ligue, le meilleur joueur de centre est Labrec. C'est le meilleur joueur de centre, c'est vous autres qui l'avez, avec Bernier. Alors, on a vu encore ce soir, c'est un duo infernal quand ils se mettent à fonctionner, puis votre gardien fait les arrêts. Mais je pense que Chouinard va être un des bons joueurs de centre aussi. Puis là, on va voir quel joueur qui va être capable de connecter, de créer une chimie, là. Avec lui, c'est ça qui est un petit peu difficile parce que son niveau de jeu est très élevé. Donc, présentement, c'est les ailiers doivent s'adapter à lui. Comprends-tu? Si je prends Labrec et Bernier, ça fait 6 ans qu'ils jouent ensemble. Ça fait 4 ans, peut-être. Hein? Je ne sais pas combien. Comment oui, ça fait 2-3 ans. Troisième saison, donc ils se voient partout sur la patinoire. Alors, Eric, lui, on essaie de créer une combinaison comme ça. Un petit mot sur ce que vous avez pu voir du niveau de l'élite français, puisque vous commencez, c'est votre première année ici. Un bon niveau. Oui. C'est un bon niveau. C'est rapide. C'est un petit peu... les gens ne s'attendent pas à ça lorsqu'ils viennent jouer ici. Et je pense que le niveau est rapide. Sûrement que... Tu sais, je ne sais pas dans le futur comment ça va aller, mais si on est capable... de renforcer peut-être un deuxième trio, troisième trio, parce que chaque équipe a un bon premier trio, très gros premier trio. Là, c'est le deuxième trio. Là. Je pense qu'il n'y a pas des mauvais deuxième trio, mais si on est capable d'élever, je ne sais pas, avec la masse salariale ou tout ça, là, on verra, mais je pense que la Ligue Magnus est dans la bonne direction. Dernière question, est-ce que vous prenez du plaisir là, sur votre première expérience en France? Pas quand on perd, là. Je reformule ma question. Est-ce que quand vous gagnez, vous prenez du plaisir? Non, je pense que c'est une belle expérience pour moi là, d'être venu ici. Puis honnêtement, je suis vraiment content du niveau de jeu. Quand je vois parce qu'il y a beaucoup de joueurs du Québec quand même dans la Ligue. Puis quand je les revois 5-6 ans plus tard, où ils sont rendus dans leur évolution, alors ça me fait plaisir de voir ça parce que c'est comme même de ça que j'ai dirigé Edo Terglave. Lorsqu'il était joueur à Bécomo. En passant, la seule chose ce soir que je suis content c'est une défaite, c'est pour Edo. Je pense qu'il a pris une équipe où il n'y a pas vraiment quelque chose à gagner. T'sais, l'Italien est parti après la saison, il a tout gagné. Il laisse Edo avec cette équipe-là. Alors, puis ils ont connu un début difficile là, dans le championnat qu'ils ont fait. Je pense que dans tout le bon, là, ce soir, je pense que Edo Terglave, il méritait parce que je suis convaincu que c'est un gars qui travaille fort. Merci Richard Martel d'être venu en conférence. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Alors la confiance est de retour du côté briançonnais, on l'a dit. Le prochain match, c'est dans 48 heures. C'est du côté de Brest, la diagonale du fou, ça comptera pour la deuxième journée de Ligue Magnus. Quant à nous, on se retrouve très très vite. Ciao, bye bye.